Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à l'étranger ou sur le territoire national, suivez en direct et à téléphone ouvert chaque mardi, jeudi et samedi à 20h votre nouvelle émission Le Temps de Miracles Extraordinaires, présentée par l'ambassadeur Dayo Samuel, l'apôtre du surnaturel, sur YouTube. Jeudi bien sûr YouTube. Pour toute préoccupation, appelez en direct sur WhatsApp au numéro +243 99 87 07 508. +243 99 87 07 508. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre vie ne restera plus jamais la même. Glory to God. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, à tous ceux qui nous suivent à ce moment partout aux Ali, Botenabino, Nakobona et Swasia. Partout où vous êtes dans le monde, je vous salue tous au nom de Jésus. Nala Kaki, Biso, Ke, Tokobanda, émission live, surtout pour Nabao et Bazana extérieur, Nairo, Naboto, Nazi, partout na Mokili, chaque mardi à 20h, jeudi à 20h. Et samedi à 20h. Et après notre émission, vous avez le droit de nous appeler et on va prier en ligne. Nalingi Tobanda, Yako Sambe la paix au nom de Jésus. Merci pour ce temps ici. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternel. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Merci pour cette émission. Tant de miracles extraordinaires. Merci pour la visitation. Apprendre contrôle absolu. Je demande que ton Saint-Esprit prenne le contrôle absolu. À partir de cet instant. Et nous jurons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis dans la joie, bien-aimé. D'être là où tu es. Live émission au travers de cette émission live, je suis ici seulement pour vous encourager. C'est le temps de Seigneur de me encourager dans la parole de Dieu, dans notre foi, parce que ezangonga ya parole, accomplishment de parole prophétique.
On va voir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Pour te montrer que toutes ces choses, pour que nous voyons que nous sommes tous les gens. Ces pandémies-là, ils ont ragé mon kili, mon maintenant. Ce sont seulement des accomplissements prophétiques de la parole de Dieu. Ezakaka masako lelo bananza menezo koki sama. Et je bénis Dieu. Nayango na pamboli nzambe. Jésus nous a déjà averti. Dans tout cela, Albi, ne soyez pas troublés. Albi, ne soyez pas troublés. Albi, Albi, ce n'est que le commencement. Alléluia. Amen. Nabutu, ce soir, côté, na makomi, nous allons entrer en plein dans l'écriture afin que nous voyons. Que cela puisse t'aider. Que tu saches quel moment tu traverses. Quoi faire. Ça, c'est la première fois que tu as la live. Na YouTube. Pour tous ceux qui nous suivent. Mais ce que j'ai commencé à partager depuis la semaine passée. Premier point, ne soyez pas troublés. Et le premier point dont j'avais parlé, c'est là qui est Kobangate. Et on va voir cela dans la parole de Dieu. Mais bien sûr, tu remontes dans le sous quartier le Bananzambe. Dans l'Église de Côte, ma commune à Matthieu chapitre 24 encore. J'aimerais que nous entrions encore en plein des Écritures dans Matthieu 24. Et la référence dans Bissau, c'est juste ici. C'est notre référence ces derniers temps. Alléluia. Matthieu 24. Nous entrons à partir de 26. Matthieu chapitre 24. À partir de verset 26. Transmettre message oyo na batu nyonso que mardi, jeudi et samedi à 20h nous sommes là en live. Transmettez ce message à tout le monde mardi, jeudi, samedi à 20h pour Zalawana. Surtout pour na bande kuna biso oyo boza fermé na ndaku kuna Nairobi boza na ngonga temps ya kulanda biso. Surtout pour ceux qui sont enfermés en Europe dans des maisons, vous avez le temps de nous suivre. Alléluia. Amen. Matthieu 24, à partir de verset 6. Matthieu chapitre 24, à partir de verset 6. Je lis la version Darby au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous entendrez parler de guerres et des bruits de guerres. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Alléluia. Oyoki, c'est Jésus qui parle ici. Ah ouais, Yesunda Zoloba. Il a dit, Alobi, il faut que tout arrive. Et Seigneur, nous sommes salema. Alobi, pourquoi yoka sango ya bituma parce par là. Vous entendrez parler de guerre. Bruit de guerre. Sango ya bitumba. Prenez garde que vous ne soyez pas troublés. Car il faut que tout arrive. Ce qui est beaucoup, tout doit arriver. Il n'y a rien que tu peux faire. Et on peut seulement prier pour l'exemption. Alléluia. Amen. Parce que la prophétie, les prophéties de fin du temps est tondue dans la Bible. Il y a plein de prophéties des fins de temps qui sont dans la Bible. Et Yango est bandé. Et c'est ce qui a commencé. Et Jésus-Christ a dit, que ce n'est que le commencement. Alobi ezakaka ebandé. Ok, voici mon sens. Version Lingala Yalelo, verset 6. Boyo, bokoyo kate bitumba ebimi na bamboka ya pene pene, be ya mosika, bo bangate. Makambo yango esengeli koya kasi wane kozala nanu sukate ezana nanu sukate eza ebaneli mais alobi makango makambo yango esengeli koya ye amoni il est omniscient il est dieu asi amoni nyonso wana alobi makambo ngo esengeli eya mais bobanga te so premier chose dingi na bandiko te ya depuis une semaine ndeko kobanga te. Parce que nakati ya kobanga ozo pesa l'ennemi et loko zo banga wana ozo pesa ngo force ya ko dominer vie na yo yango il faut pas avoir peur. Jésus ye moko ayebisi biso selon sa parole lui-même, ne soyez pas troublés, mais ces choses
il faut que ça doit arriver. Atako makambo wana esengeli esalema kasi Yesu asi aloba na biso ete tobanga te. Je suis ici pour vous rappeler et pour vous encourager, pour encourager votre foi, parce que c'est ce qu'on a besoin à ce moment ici. Et la Bible est claire à ce sujet. Le juste vivra par sa propre foi. Ngonga yako vivre na kondima na yo yangoyo ebeti. L'heure de vivre par ta foi a sonné car Christ a dit Moyenge ben akobika na kondima na yo. Tanga pona ngai papa. Version le livre. Quand vous entendrez dire que des guerres éclatent, ne croyez pas que cela soit le signe de mon retour. Ces guerres doivent avoir lieu, mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Ezaï Bandeli. Ce n'est que le commencement. Version Darby, verset 7. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Alléluia. Amen. Alors, yon zouan tout ce monde, par nation contre nation, ici est mon ami, ici est salami. Mais, alors, il y aura des famines, tout le monde en groupe, et des pestes. Dans la version, mon côté, il y a des épidémies. Yes. Alors, il y a mon côté, des. Et, mais, au coup, il y a un verset 8, il y a un alors, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Et ça est bandeli. Et ça soukate. Alléluia. Amen. Mais dans tout cela, il nous a averti. Ne soyez pas troublés. C'est qu'un homme craint. Et que dominer. C'est ce qui le domine. Va lui arriver. En ces temps, il faut tous à la banne en Zambé à Kodima, papa en Zambé à Kobanga. Devons être des enfants de Dieu qui ont la foi et non la crainte. Alléluia. Version parole vivante. Merci. Verset 6. Vous entendrez parler des guerres, des menaces, des conflits. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Oh yo, oh yo qui? Ne voulez pas laisser trouver par ces nouvelles. Nouvelles ou anozo yoka et mes a médiatisé. Kotikate et troublé yo et paniqué yo. Car tout cela doit arriver. Voilà, doit arriver. Mais Yesu ndi alobi, tout cela doit arriver. Okoko arrêté en côté. On peut seulement prier pour l'exemption. Parce qu'à l'objet Bongezo, il y a tout le angolelo. Je vais faire la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Alléluia. Continue. Car mais tout cela doit arriver, mais la fin du monde ne viendra que plus tard. Plus tard. Verset 7. Verset 7. En effet, on verra se dresser race contre race, état contre état. Il y aura tantôt ici, tantôt là. Des épidémies, des famines et des tremblements de terre. Des épidémies, des pestes. Yango oyo. Alléluia. Amen. Mais, alobi verset 9, verset 8, alobi nini. Verset 8. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Toutes ces choses sont un commencement de douleur. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un homme. C'est lui-même Dieu. Parmi nous. Il a déjà vu tout cela. Déjà vu. Et assez averti. Mais à Kébiso. La seule chose. On prie pour exception. Mais ces choses. Mais à Yepsmiso, il nous avait dit. À tous eux que ma nouvelle oye. Même si tu entends ces nouvelles. Te, que tu ne sois pas troublé. Et bandeli. Ce n'est que le commencement. Alléluia. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Na kolinga to continue to kende mwama liboso to sauter. Verset 13. Matthieu chapitre 24 verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là sera sauvé. C'est-à-dire, en ces temps-ci, on a besoin de persévérance. Chacun de la persévérance. Voilà. Parce que ma kambozoya,
Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Mais je viens te dire, il y a des races, il y a des gens, il y a des exemptés. Oh, ma camboane, go comme la bangote. Tout ce qui s'est fait dans il le monde. Il y a toujours les gens qui sont exemptés. Ezaka kanabato. Oh, ma camboane, zo kanabote. Ozala parmi patuana, bakozala exempté. Amen. Parce qu'il y a lobby. Parce qu'il a dit, 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, droite, mais tu ne seras pas atteint. C'est le temps, bisopa na zambe, to telema likolo ya promesse ya loba zambe, to accroché kodima na biso. C'est le temps que nous accrochions notre foi à la promesse de la parole de Dieu. Alléluia. Verset 21. Verset 21. Ouais. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. 22. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alléluia. Amen. Il y a que Dieu qui a la solution. Amen. Et j'ai béni sa parole. Il nous a dit, ce qui mukolowana et katanite mukuse, abi mutu mokote akuzala sauvé. C'est-à-dire, azana contrôle, ayebi quoi faire. Et ba oyo bandimeli, bandimili lobanae, bakuzala sauvé, bakuzala épanoui. Amen. Hallelujah. Alobiango, alobi makambozo ya oyo, nanu salamate depuis le commencement du monde. Zomona. Voyez. Quelqu'un qui marche et puis il s'effondre, il tombe. C'est ici le commencement. Version parole vivante. Verset 21. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis que Dieu a créé le monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Voilà. 22. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas fixé une limite à ses jours, oh, mashallah, bayate, et ne les avait pas abrégés, personne n'en réchapperait. Alléluia. So, c'est-à-dire, il est en contrôle. Azor Kambanios. Il a le pouvoir de limiter, d'arrêter. Voilà. Mais il abrégera ces temps de calamité par amour pour ceux qu'il a choisi. Oh maya katabaya. Na sambeli je kota na lisi ya batu oyo a choisi. Alobi soki mukolo wana akati yango mukusete mutu mokote akuza sofe. Parce que dans aucun deboy ngonga ezoya eloko oyo ce n'est que batu oyo bakankami na zambe na bango ya solo et na kati ya kondima bantimeli zambe. De pas quoi échapper. Parce que, à l'obéir, ce n'est que le commencement. Zaka Kebandeli. Alléluia. Amen. Yango naza awanako encourager kondima na yonde kona. Je suis là pour encourager ta foi, bien-aimé. Nous avons beaucoup de promesses de la parole de Dieu. Toza na bilake bele kati ya loba na Nzambe. Qui garantit notre protection. Oezo sala ete biso tobatela. Qui garantit notre préservation. Oezo sala ete tobatela ma. J'ai dit bien dernièrement que Kobanga te premier point, deuxième point na lobi, yeba position na yo en Christ. Dernier point, je dis, n'ayez pas peur et en seconde position, je dis, reconnaissez votre position en Christ Jésus. Yeba ke oza esprit. Sache que tu es un esprit. Na kati ya zote. Dans une chair. Alléluia. Et la parole de Dieu nous a dit, tout en forgé contre vous sera sans effet. Et le balanza me lobi mondo qui n'y a pas passé pour nous reposer. Dans cette même parole, il nous a montré. Même si je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Atakonazo tambo la katia lobo kuya molili aliwa na kobanga eloko moko. Tout cela, ce sont des promesses de la parole de Dieu pour nous consoler à ce temps ici. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu ne peux pas être paniqué. Parce que tu es déjà avisé. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire dans les Écritures aujourd'hui.
nous sommes déjà avisés par sa parole. Vous connaîtrez la vérité. Vérité où vous yebi et pour quand vous l'avez. Le balancier messier qui bise bise en dans le bi okoye bas solo solo en ande et pour quand vous l'avez. Nangonga oyo esegalité ozala embralé. En ce temps tu ne dois pas être ébranlé. Parce que tout a été déjà prophétisé, vu dans la parole de Dieu. Peut être nion sorcier sakola mapé monana gati ya makomi masan. Yango chacun esegalé omiye ba ozanani. Tu dois connaître qui tu es. Ngonga oyo de konde manabiso et kuza la tester, prouver. C'est en ce moment que notre foi sera testée, approuvée. Ango Bible lobi le juste vivra selon Hébreux 10, 38. Vivra par sa foi le juste. Ngonga yako vivre na konde manayo yango yo ebeti. L'heure de vivre par la foi a sonné. Parce qu'il est écrit. Prête comme maman. Toute chose est possible avec Dieu. Et toute chose est possible à celui qui croit. Voilà. Sans la foi, c'est une chose impossible de se plaire à Dieu. Hébreux chapitre 10, 38. Hébreux chapitre 10, voilà. Verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. J'ai la version d'Arby au nom de Jésus. Yeah. Or, le juste vivra de foi. Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vivra de foi. Le juste vivra par sa foi. C'est le temps de consulter la parole de Dieu. Parce que notre foi vient à travers de la parole. La foi vient parce qu'on entend et on entend de la parole de Dieu. Donc, on doit consulter par rapport à ce que nous avons fait. C'est ainsi que nous avons fait la chimie, condiment, stabilité, nous avons embralété parce que nous avons fait. Amen. Version communauté chrétienne. Ouais. Mon juste à moi vivra par la foi. Mon juste à moi vivra par La foi. Par la foi. Mais, mon juste. Mais s'il se retire, il cessera de me plaire. Oh, machalaba. Moi aussi, pelisaye ezate. So ngonga yango yoto tambola na konima. La Bible nous a dit, nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Nous marchons par la foi. Et c'est le temps maintenant qu'on prouve qu'on dit manayo na kati ya nkolo Yesu Masia. Le bananzambe lobi toko tambola te na oyo tozo mona kasi toko tambola na kondima ngonge beti yo otalisa koni manayo kati ya Kristo Yesu. Somme 91 a talisi biso. Somme 91 nous avons toujours tangi yango bala na mbala. Nous avons déjà vu ça. Mena tangi la bino oyo bozola na ngai surtout na liberté na libana ya mboka. Esika yo sozali. Alobi yango. Il a dit clairement ces choses, toutes ces promesses de la parole, ce sont des choses dans lesquelles quoi qu'il arrive, moi et ma maison nous serons sauvés et nous ne serons pas atteints. C'est en ce moment que Dieu fait la distinction entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. C'est la vérité. Et ça solo. Donc, tant que Bible a l'objet, je vais effacer le monde tout entier. Mais à quoi effacer Nyonso? Parce que méchanceté, l'équité, madame Kini. Mais, na kati wana, na génération wana, famille Mokwaza qui sauve, Noé et sa famille. So, na makambouyon se salé man accès à moi, il y a des exemptions. Na tant bazo, boma ba Yuda, l'époque, mais ba exemption bazali. So, na tango yo, que malgré fléau yonso, épidémie yonso, okozala exempté na kombo na Yesu Masia. Et sache comme la Bible le dit en Genèse, Dieu devait effacer le monde, mais Noé et sa famille étaient exemptés. Voilà pourquoi je prie pour toi, toi et ta maison, vous serez exemptés au nom de Jésus. Sokotalango même Esaïe 60 alobi, Joël alobi, Ezawana epele. Nous allons vivre ça. Tangapona ngai somme 91. Somme chapitre 91, à partir du premier verset, version Darby, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut
logera à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Verset 2. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Il est ma confiance, mon lieu fort. Il est mon Dieu et je le confierai en lui. C'est le temps de se confier na zambe na biso. Dieu est réel. Atambo ki le bandimite le loba kondima ke zambe aza réel. Parce que yonso alobaki ezoko kisama na misu na biso. Verset 3. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. J'aime ça. Il te délivrera. Yoka promise à l'obiango à comité Zambia Zambia Kosakate à comité Kapona Koma Pamba à Zokome la biso surtout na période Oyo Tuzali. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 11 toutes ces choses sont écrites pour nous servir en tant qu'exemple, en tant que référence, surtout à nous qui est à la fin de temps. Et le Oyo est comme Mina Makome pour être fortifié contre la maladie. Alors, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste calamiteuse. Voici une parole du vivant. Alors, il te épidémie. Version anglais facile. Ouais. Verset 3. Okay. Lui, Dieu, va te sauver réellement. Réellement. Des pièges de l'oiseleur. Et Dieu te sauvera des épidémies qui causent la mort. Des épidémies qui causent la mort. Eza la corona, eza la lokoni ba bengango ataba kosi mokili, mais tozo monaka ke batu bazo kufa en réalité. Mais alobi Dieu va te sauver des épidémies qui causent des en pluriel. Oyeze baneli. Des épidémies. C'est maintenant on doit accrocher notre foi à la parole, à ce que Dieu dit, parce que Dieu et sa parole sont un. La parole de Dieu nous a dit, il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Dieu ne peut jamais mentir. C'est maintenant, biso, nous maintenant, que nous lions notre foi à sa parole. Nani lo banaye. C'est ce que Jésus est en train de dire. L'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa parole est lui-même. Lo banaye nde ye moko. Zambe akoko koya na sete. Dieu ne peut pas parole tomber. De même, sa parole ne peut tomber. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Oya lo bakande ya salaka. Il te délivrera du piège de l'oiseleur. Et voici on a le pays des épidémies qui causent la mort. Oh yes, au cause de quoi? Mais alobi a qu'on délivré. Naïko sakola likolo na yo. A tabazo kende à gauche à droite. Yo okozala exempté. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus Christ de Nazareth. Et salami na Egypte. Cela a été fait. Référence pour ceux qui en moi. C'est une autre référence. Na Egypte. En Egypte. Batubazo kufa. Il y avait des de lois. Jusqu'au palais du roi. Mais aucun bana zambé. Aucun enfant d'Israël. Bana Israël. À ta mon côté. Aucun. À ta tabana bangote. Même pas leur chef. Zaki protégé. Ils étaient protégés. Et toutes ces choses sont écrites pour nous servir. Bona cosa là. À tant qu'exemple. Ndaki sa pona biso. C'est la bonne nouvelle pour toi. Nazana sangwela mu pona yo. À ce moment ici. Nangonga oyo. Dieu va te délivrer. Zambe nanga ko kangola yo. Non puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Il tombe à gauche. 10,000 à droite. 10,000 à droite. Tu ne seras pas atteint. Yo ko simba mate. Na kombo na Yesu masi. Au nom de Jésus Christ. Verset 4. Merci. Il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes, tu auras un refuge. Voilà. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Ta vérité sera ton bouclier. C'est le moment où tu as la vérité. Tu as dit que tu as la vérité. Tu as dit il n'a pas écrit ces choses. Il savait que c'est des épidémies. Alors, il te délivra des épidémies qui causent la mort. Ma maladie, c'est ça. Le sang bonangai. Ma prière. Na nyonso. Dans tout cela.
tu ne seras pas atteint. Yo ko simba mate. Na kombo na Yesu masi. Au nom de Jésus. Bongazo ya okubizolo na yokubizolo na yote ekipakate. Équipez-les, battu, oh, battimisambe, les gens qui sont spirituels, parce que le spirituel est supérieur au naturel. Que vous sachiez, il est un monde qui contrôle ce monde-ci. Et ça, mokili, mokozo, kamba, mokili, le surnaturel contrôle le naturel. Surnaturel, les autres contrôlent le naturel. Le spirituel contrôle le physique. Jésus est venu dans le monde. Il a pris cette chair. Il a défié les lois de la nature. Mais il a défié les lois de la nature. Il n'a pas encore changé. Il a dit l'œuvre qu'il a faite. Nous en ferons même plus grande. Ce n'est pas tout le monde qui sera atteint. Et dans Psaume 91, la parole de Dieu dit. Verset 5. Tu n'auras pas peur de frayeur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Voilà. Verset 6. Ni de la peste qui marche dans le ténèbre, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. 7. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Nassambeli kaka denga lobi. Toi là, ozola nangai. Yes. Tu ne seras pas atteint. Amen. Toutes ces choses, Dieu a vu cela. Et c'est écrit dans sa parole. Voilà pourquoi maintenant, on doit accrocher notre foi. Bien-aimé, c'est lui qui est né de la chair et chair, c'est lui qui est né de l'esprit et d'esprit. Tant que tu peux terminer par parents, tu peux terminer par son. Mais tant que tu peux terminer par Zambé, tu peux terminer par Molimo. Attends que Molimo, il y a des choses et il y a des choses qui ne peuvent pas parce que yepe à latin zoto, mais à vivre vie mususu au-delà de naturel kaka na mokili oyo et ngonga yangoyo pour manifester notre vraie identité attends que bana nzambe identité na biso ya solo comme bana kopanga makambo mokili bazo panga jusqu'à quand. Jusqu'à quand craindras-tu ce qu'elle a fait? Esaïe nous l'a montré. Ne crains pas leur crainte. Qu'ils disent tout cela sont écrits. Et comment pour préparer biso à ce temps ici? Pour nous préparer à ce temps. S'il te plaît, Gauthier. Version français courant. Oui. Verset 7. Oui. Même si ce fléau. À partir du verset 5, s'il vous plaît. Verset 7. 5, s'il vous plaît. Tu n'auras rien à redouter. Voilà. Ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Est-ce que vous tangez en gros les yeux à haute voix, s'il te plaît? Verset 7. Verset 7, français courant. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Ce que malobayons ouana, ezaka apamba. Bien aimé naïko ibsa yoke, il y a des gens qui seront exempté. Amen. Et na kotionalisi ya batuana na kombo na Yesu Masia. Amen. Na appliqué na engagé makila na Yesu likolo na yo. Makila wana ekomisa yo intouchable, ekomisa yo invisible. Na makambo yo so ezo leka na mokili. Anglais facile. Voilà. Verset 5 et 6 et 7. Ne soyez pas effrayés des mauvais esprits dans la nuit. Bible ezo taisa bizo tamba zo le blabizo ke kobanga te. Ne soyez pas effrayé. Toujours, ne soyez pas troublé. C'est pour dire, azon lobi la batu moko, que malgré nous ces eaux salées, le commandement est comme la bino. Ne soyez pas effrayé des mauvais esprits dans la nuit. Voilà. Des flèches qui volent en plein jour. Voilà. Ou des épidémies qui viennent des ténèbres. Ou de quelque chose de mauvais qui détruit. Des épidémies qui viennent des ténèbres. Et le monde y a ténèbres. Et sa conception y a monde y a ténèbres.
Mais nous, nous appartient au monde de la lumière. Yes. So, lumière a sa supérieure à la ténèbre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais si quand mon lit est allé, que ma pelisse pole, mon lit est disparaît. So, mais ce qui pour les aguets quelque part, au yéna molili et comment on en a été, naïe quoi ils ont biloko yo et outil na molili et quoi affecté yo te attaque lumière. Amen. Yango, il faut tout accrocher contre mon ami so. Accrochons notre foi. Ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Oui, comment on est le bananzam? Verset 7. Oui. 1000 peuvent mourir à ton côté. Quoi? Même 10 000 peuvent mourir à ta droite. Mais le danger n'arrivera pas près de toi. Macho Pradé à la Maya. Toutes ces choses sont écrites en Corinthiens 10, 11. Et toutes ces choses sont écrites pour nous servir en tant qu'exemple. Et Salamina Egypte. Bakoufa Kiti n'a pas l'air des rois. Basoterel Bakotiti n'a pas l'air des rois. Baligorodo Bakotiti n'a pas. Bakalamite y'a dengue y'a dengue. Mais à ta mon côté et côté n'a pas l'air pas à Israël. Na émission yo na ko côté abiso mystère du sang de Jésus pour la préservation et de protection. Amen. Na prochaine étape na lingi batuba chonde biso nanu ebele et jeudi ou samedi je vais enseigner sur les mystères du royaume de Dieu à propos du sang de Jésus. Na zuango a parti en Saint Testament tina Nouveau Testament, ce sont des instruments de protection et de préservation à ce moment ici. Le mystère des royaumes nous a été confié pour nous délivrer des misères de la vie. So bien-aimé, je dis toujours, il y a des gens qui ne seront pas atteints. Et il y a un Dieu vivant. Afin qu'ils craignent et qu'ils sachent. Il y a un Dieu réel. Voilà. Mm-hmm. Version parole de vie, verset 5. Alors tu n'auras peur de rien. Ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour. Verset 6. Ni de la peste qui avance dans l'obscurité. Voilà. Ni du malheur qui frappe en pleine lumière. 7. Même si 1000 personnes tombent près de toi. Oui. Et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Babiloko yonde esengeli o accroché kondi manayo atanke mwana zambi. Pake ozo pesa matoi na yoko yoka ba mauvaise nouvelle wana. Oyezo koti sako banga na kati ya mutema na yo. Yebake eloko ozo yoka ekokoti sako banga. Eloko pe ozo yoka ekokoti sako dima. Sa depend oyezo pesa matoi na yo. Information nini ozo zwa. Se le ton to mi pesa na oyo zambi alobi. Parce que Zambé a sa supérieure que le Kayoso. Il est omniscient, il connaît tout, il est omniprésent, il est partout et il est souverain. A sa Likolo ya Yonso. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans la tinanimi, à ces temps ici, oyo, des pandémies, il y a pandémie, bisoban en Zambé, nous les enfants de il Dieu, faut nous devons nous lever Likolo ya oyo Zambé à sur ce que Dieu a parce dit, parce qu'il a élevé sa parole au-dessus de tout son nom. Pour les kakutu kombo na ye. Jésus a dit, yes, vous avez dit à mon émission, alobi, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Maloba na ngai ndeza molimo pe bomoi. C'est l'esprit qui vivifie. Molimo nda pesa ka bomoi. La chair profite rien. Zoto ame marelo côté. Maintenant, sikoyo. Si sa parole est esprit. Soyi lo banaeza molimo. Et sa parole vivifie. Be pesa ka bomoi. Et donne la vie. Be zo pesa penza bomoi. Nkonga oyo oyo liwa ezo tambola na mokili. En ce temps où la mort traverse le monde. Et lokolini esengelito accroché kono na bizo na likolo ezanini lilobanae. À quoi devons-nous accrocher notre foi? C'est ça. Esprit a liloba eko kote la yo. L'esprit de sa parole eko kote sa bomoi. Et amènera la vie en toi. Alléluia. Amen. Et qu'on vivifie. De vivifiera. Parce que c'est sa parole qui vivifie la chair profite de l'obanayen de pesara bomo in soto a me makali tombate. Je sais que je suis le temple de Dieu. Là où habite Dieu. Et si quand ça par son esprit, ça c'est la parole de Dieu. C'est à moi d'accrocher ma foi et de déclarer ma foi à chaque instant. Grand
et celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Christ en moi, l'espérance de la gloire, par l'espérance de la maladie, par l'espérance de l'épidémie. Je suis le temple de Dieu, pas le temple de l'épidémie. Puisque Zambé a vendu, là où Dieu réside, aucune épidémie ne peut y entrer. C'est le temps. Au Zambé à l'obé et te déclarer qu'on est manabiso dans Oyo à l'obé. Tant qu'on se déclare en gros, ils sont fortifiés, ils sont télémisaillés, ils sont vivifiés. Quand vous déclarez votre foi, cela vous fortifie, cela vous vivifie. Ézéchiel a l'obéi. Ézéchiel dit quoi? Chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Quand il me parlait, l'esprit entra à moi. Tant que vous déclarez qu'on m'a dans la parole, quand tu déclares ta foi, l'esprit de cette parole est au côté là. Et pas dit qu'on vivifie. Et va commencer à te vivifier. C'est ça. Quand il m'a parlé, l'esprit entra à moi et me fit tenir debout. So, nangongoyo, au-dessus, au-delà. Cela t'élèvera au-delà de ce qui se passe dans le monde. 1000 à gauche, va cueillir 10 000 yotikali. Quand 1000 tombent à gauche, 10 000. Il y a confirmation, il y a ma parole prophétique, il y a l'obazambe, yango yo ebeti. L'air de la confirmation des paroles prophétiques. Ézéchiel 2, verset 1. Ézéchiel chapitre 2, verset 1, version Darby. Et il me dit, fils d'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je parlerai avec toi. Verset 2. Okay. Et comme il me parlait, quand il me parlait, tant qu'à Banikoloba, l'esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds. Derrière toute parole, il y a un esprit. Come on. Tant qu'on a déclaré, l'esprit là va entrer. Et l'ongoli y en a qui naturel, commission qui sous-naturel. Amen. Alléluia. Il me parle, l'esprit entre en moi et me fit tenir debout. Yes. Et qu'au télévisé, au-delà, il y a pas pandémique. Oui. Alléluia. Amen. Qu'au sénaté, n'oublie pas. Lui-même a dit, de 70 à 91, à l'obi, 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, mais tout ne sera pas atteint. À cause à côté, c'est une chose impossible que Dieu mente. Yes. Sans bien qu'on Dieu ne peut Dieu jamais accrocher qu'on est accroche ta foi. Parce qu'à l'obi, et ça les malheurs, le lingé ont timé. Il a dit qu'il t'est soit fait selon que tu as cru. Bien aimé. Molingami. Il y a des races, bateau, des gens, bateau. Oyo, Bakozala, épouané. Épanoui de tout ce qui se passe. Le sang pour la guerre, au côté de la liste, il y a Batouan, na Kombo, na Yesu Masia. Lingala ya lelo. Voilà. Mongongo yango elobi nangai. Voilà. Yo moto, telema, nazali na likambo ya koloba na yo. Verset 2. Tango azalaki koloba bongo, molimo ya nzambe a kote lingai. Pe a telemi singai. Nazalaki koyoka ye azalaki koloba nanga. Molimo ya Zambe akote lingai pe atelemi singai. Amen. Tango abandi koloba parole wana. Molimo ya Zambe akote lingai. Yesu alobi mes paroles sont esprit et vie. Et cette parole vivifie. Yango ekote liye etelemi singai. Nassambeli na ngongoyo eko kote la yo eko telemisa yo au-delà ya ba pandémie oyo na kombo na Yesu Masi. Amen. La parole de Dieu est esprit. Il et nous sommes nés d'un Dieu qui balobi à sa esprit. Nous sommes nés d'un Dieu esprit. Matière oyo eko soutenir biso na minute oyo et sa esprit. La qui est sa parole? La matière qui va nous permettre à subsister, c'est sa parole qui est esprit. L'heure de se nourrir de la parole a sonné. Alléluia. Amen. Écoute ce qu'il a dit. Une fois, c'est continuel. Et c'est ici leur victoire, leur foi. Dans 1 Jean 5, verset 4. Dans 1 Jean 5, 4. Est-ce que nous pouvons lire ça? Il y a des gens qui ont été longs. Des générations passées, qui ont été longs. Il y a des générations qui ont été longs. Na kombo na Yesu Masia. 1 Jean chapitre 5, verset 4, version Semeur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi est le condimi. Ce qui on dit qui est quoi attendre, yo est quoi attendre. Mais ce qui on dit qui est quoi attendre, yo te est quoi attendre, yo te. Ne me dis pas que je suis un homme. Non. Osa esprit na kati anzoto. Yesu pe aza esprit aye a latin zoto. Mais a défier loi de nature. Et alors, l'œuvre que je fais, vous verrez même plus grand que ça. Alors, parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Bien aimé, mon gaïango, le roi, na paroua, na même, les rois, même les autorités, yabokilio yo, bazo banga. Ils tremblent et dépassé mayele na bango. Ils sont dépassés. Et zambe alobi bongo dans ma commune. Et Dieu l'a dit. Mutu akosala buzoba na eti akosuka. L'homme fera ses yeux. Yesiko akoya kula kisabango ke azazambe. Et lui prouvera qu'il est Dieu. Voilà. Le sambo nangaye. Ma prière. Nangongoyo. En ces temps. C'est Dieu qui a agi en Égypte à l'époque. Zambo asala en Égypte. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Azalo lenge moko. Zambe wana. C'est Dieu là. Azala zambe na yo nangonga. Qu'il soit ton Dieu en ces temps. A épanoui aussi. Il de tous ces fléaux. Na ba fléaux ni onso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Na ningi avant to clôturer to tala na malachi wana parce qu'il faut tout tanga. C'est très important. Il y a des versets bibliques tout le temps avant, mais yoka ngonga na bango, il y a accomplissement yangoyo. Yangoyo. Alléluia. Amen. Meso prozika para Jesus. Malachie chapitre 3, à partir du verset 17 et à partir du verset 16 s'il vous plaît. 16 à 18. Malachie chapitre 3, verset 16 à 18, version Darby. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel a été attentif et a entendu. Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Alléluia. 17. Et ils seront à moi. Mon trésor particulier, yes. Dit l'Éternel des armées, voilà. Au jour que je ferai, huh. Et je les épargnerai, oh, comme un homme qui épargne son fils qui le sait. Oh ma kasha, na sambeli zame na ga épanoui yo na tango yo. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Il y a des gens au zambe abengi mon trésor particulier. Alobi nako épanoui bango. Continuez. Verset 18. Alors, vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ngonga ya accomplissement ya parole yo yango. Amen. Nalbi ngonga ya accomplissement ya parole yo yango. Yango yo yo zola nangai. Soki oyambi Yesu te, ngonga nayo ya koyamba Yesu yango. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Yes, so so et vous avez maloba yo se komami na makomi ezako zala confirmé accomplissement ezo salema. So ki Bible ezalu kuta pona nini balimba changer Bible? Il faut me poser question. Pona nini balimba bibisa Bible, Bible ya 2000. Po ba yebike oyo ezé reverser makambo na bango. So balimba changer. Pona kulakisa ok, la parole de Dieu est Dieu. Et c'est le temps de l'accomplissement prophétique de toutes ces paroles dans la Bible. Ok, quand tanga ba Isaïe komona na 60 à partir verset 1 à 3 4. Alobi molili ko couvrir mokili. Na tanga ngo prochainement. Hein? Ok, lisus na Apocalypse otangi. So biloko yoyo so eza déjà prophétisé ke koya. Tu peux pas arrêter ça, mais tu peux seulement prier pour l'épanouissement. Yango alobi, je vais épanouir celui qui me sert et celui qui me sert pas. Dege tata epanaka mwana na ye na danger. Yes. Hallelujah. Lingala ya lelo verset 16. Bongo bato oyo bato saka Yawe. Balobani bango na bango. Yawe atie mato ipe ayoki makambo na bango. Na miso na ye. Oui. Bakomi bakombo ya bato nyonso oyo bato saka ye. Oui. Pe bakumi saka ye. Mm. 17. Sima Yawe yanguya nyonso alobi boye. Mokolo na kola ki sanguya na ngai.
bato wana bakozala bato na ngai bakozala ekolo na ngai penza na kokotela bango ndenge tata akotelaka mwana oyo atosaka ye haleluya na kokotela bango mokolo wana yango oyo ebeti na kokotela bango ndenge tata akotelaka mwana na ye atosaka ye yango ndeko soki nanu yambi yesu te nazosala appel c'est le moment de se repentir. Que tu reviennes Ozongela mokili na yo. Mokili na yo. Reviens à ton Créateur. C'est le moment. Son bras est ouvert. Pour t'accueillir. Parce qu'il ne veut pas. Que tu meurs, que tu ailles en enfer. Partout où tu es, tu me suis. Tu peux répéter ces paroles. Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi. J'ai entendu ta parole. J'ai été touché. Et je sais que tu es Dieu. Aujourd'hui, je viens. Je viens fléchir devant toi. Tango na yebiote na tango nazo tambo na lakati ya inyoron na masumu na malibabe na yeko senga molimbisi peto langa na makila na yo. Purifie-moi par ton sang. Lelo. Aujourd'hui. Na ye pa na yo. Je viens auprès de toi. Et na déclaré. Et je déclare. Na mutema nanga. De tout mon cœur. Eko wuta na mutema nanga. Venant du plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. J'abandonne toute mauvaise foi. Et aujourd'hui, je suis devenu ton enfant. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi. Papa, merci pour naba oyo bayambi na tongo na na ngonga oyo. Père, merci pour ceux qui t'ont reçu. Je demande au mon Dieu, touche leur cœur. Purifie-les par ton sang. Purifie-les. Qu'ils soient sanctifiés. Je déclare. Je décrète. Il y a vie nouvelle à Katia Christ Jésus. Le commencement d'une nouvelle vie en Christ. À partir de à partir d'aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Au nom de Jésus. Et j'aimerais prier à tous qui nous suivent maintenant. J'impose mes mains. Je demande que tu imposes tes mains sur mes mains. Quel que soit ton problème, après cette prière, pose ta main sur ton corps. Et il y aura des visitations surnaturelles. Père, au nom de Jésus, je confie tous les téléspectateurs entre tes mains. J'ai banni toute oppression diabolique et satanique. Oppression diabolique nionce. N'a déclaré. Je déclare. Par la puissance de Saint-Esprit. Nanguya molimo mosante. Ata uzobela na nzoto. Quel que soit ta maladie, contaminé. Même si tu es contaminé. Délivrance na yo et guérison. Je décrète ta guérison et ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Nanguya molimo mosante et traverser écran wana. Il y a besoin du Saint-Esprit. Et traverser yo na nzoto. Ton corps. Je donne un miracle créatif. Bikamo un poisson. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Je donne un miracle créatif. Bikamo un poisson. N'a déclaré au pikisami au je déclare, tu es guéri et délivré. Au nom de Jésus. Il a dit, ayez à gauche, à droite. Que ça vienne de gauche, nous ne serons pas atteints. Même si tu es déjà atteint. Je déclare, tu es guéri. Et tu après 3 jours. Et télémisayo, et sauf sayo na pomoi. Yamba lobiko. Reçois la guérison. Yamba lobiko. Reçois la guérison. Yamba délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Et na appliqué ma kila na Yesu likolo ya baladi yosu. J'applique le sang de Jésus sur tous les téléspectateurs. Na yo na sopi ango na makila na Yesu. Je les verse sur na toi. Na inonde ndaku na yo foyer na yo na makila na Yesu. Et na komisino intouchable. Je vois intouchable. Na komisino invisible. Invisible. Na kombo na Yesu. Makila oyo e bateli bango na Egypte, bana Israël, makila wana epati la bino na tango yo. Amen. Na kombo na Yesu Masia. To sabeli. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Samba. Mutuyo swazo landa ezala sima ya émission yo yeba ke tozo kutana émission live le temps des miracles extraordinaires chaque mardi, jeudi, samedi à 20h. Yeah.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à l'étranger ou sur le territoire national, suivez en direct et à téléphone ouvert chaque mardi, jeudi et samedi à 20h, votre nouvelle émission « Le temps de miracles extraordinaires » présentée par l'ambassadeur Dayo Samuel, l'apôtre du surnaturel, sur YouTube. Je dis bien sur YouTube. Pour toute préoccupation, appelez en direct sur WhatsApp au numéro +243 99 87 07 508. +243 99 87 07 508. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre vie ne restera plus jamais la même. Glory to God. Alléluia.